L'employé. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Dana. Oui, bonjour. Excusez-moi. Je suis un peu confuse. L'employé. Essayez de reprendre votre calme, s'il vous plaît. Dites-moi, que désirez-vous? Dana. Enfin, le problème est que je suis étrangère et je ne connais pas très bien la loi en vigueur qui détermine les procédures de regroupement familial. Vous savez que nous, les étrangères, avons ce droit de regrouper la famille autour de nous. L'employé. Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Pour pouvoir démarrer ces procédures, il faut que vous me donniez quelques documents personnels et des données sur votre famille, s'il vous plaît. Dana. Bien sûr, de quoi auriez-vous besoin? L'employé. Tout d'abord, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour le regroupement de la famille. Ensuite, j'ai besoin de quelques données personnelles sur la famille, la date et le lieu de naissance, l'occupation, le revenu mensuel et annuel, mais aussi les copies de ces documents. Dana. Les voilà, tous les documents. C'est la semaine passée que j'ai vu une annonce concernant tous les documents nécessaires, mais je n'étais pas sûre. De toute façon, dans ce dossier-ci, vous avez tous les documents demandés. L'employé. Permettez-moi de les vérifier, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps avez-vous un contrat de travail? Dana. Cela fait presque 7 ans que je suis employée avec contrat temps plein à durée indéterminée. Mon employeur a été d'accord de m'aider avec toutes ces formalités et de me payer toutes les taxes pour que je puisse bénéficier de ce droit que l'État roumain prévoit pour les étrangères en situation régulière. L'employé. C'est très bien. Les données sont valables. Votre fiche a les contributions mises à jour, donc tout va bien. Dans un mois, vous recevrez à l'adresse indiquée dans le formulaire le permis pour le regroupement familial qui permettra à votre famille de vous rejoindre. Dana. Je vous remercie, madame. Vous êtes très gentille. L'employé. Je vous en prie. Tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. Dana. À vous aussi. Anne. Bonjour, mademoiselle. L'agent. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Puis-je vous aider? Anne. Je suis intéressée par un paquet touristique complet à la mer, à l'étranger. Que me conseillez-vous? L'agent. Quel est le budget dont vous disposez? Anne. Le budget est estimé à 1 000 euros pour 2 personnes, par exemple.
L'argent. Presque 1 000 euros. Cherchons quelque chose qui puisse correspondre à ce montant. Avez-vous des préférences? Anne. Je veux que le séjour soit en Europe. L'argent. Très bien. J'ai une excellente offre pour vous de dernière minute. 7 jours en Espagne sur la Costa Brava. Anne. Quels sont les services inclus dans ce paquet touristique? L'agent. Vous disposez de transport aérien en première classe, transfert de l'aéroport de Gérone à l'aéroport de Cosnamares, le littoral nordique espagnol, hébergement et pension complète, hôtel de 4 étoiles. Qu'en pensez-vous? Anne. C'est merveilleux. Quelles sont les facilités de l'hôtel? L'agent. L'hôtel dispose de 2 piscines, intérieures et extérieures, d'une spa et d'une gymnase, toutes comprises dans le prix. Et si vous payez intégralement votre séjour, vous recevrez une excursion d'une journée à Barcelone de la part de l'agence. Anne. Quelles activités sont incluses dans le voyage à Barcelone? L'agent. Notre guide touristique vous amènera à visiter les principales attractions de cette ville fascinante. La cathédrale Sagrada Familia, l'aquarium, le musée Picasso, le musée national d'art. Anne, que c'est beau! Je suis vraiment intéressée à acheter ce séjour. L'agent. Il faut que vous signiez le contrat de prestation de service et payiez le montant total de séjour. J'ai besoin de votre carte d'identité. L'offre commence le 23 juin, si cela vous convient. Anne. C'est parfait. À partir de 23. L'agent. Payez-vous par carte bancaire? Anne. Oui. L'agent. Signez les 3 exemplaires du contrat, s'il vous plaît. Ça, c'est tout. Anne. Je vous remercie, mademoiselle. Bonne journée. L'agent. Merci à vous, madame. Au revoir. Marie. Salut, Georges. Comment vas-tu? Ça va bien? Georges. Salut Marie. Ça va bien, merci. Je suis sortie en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie, lui c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie. Salut Marion, je suis enchantée de te connaître. Marion. C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu, puisque tu me sembles étrangère? Marie.
Je suis de France. Je suis venu ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion. Je suis de Rome. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion. Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Marie. Anne, quel vêtement préfères-tu d'habitude? Anne. Je préfère les vêtements sportifs parce que j'aime les choses simples et confortables. Et toi? Marie. Je préfère les vêtements élégants puisque c'est mon travail qui me l'exige. Je ne les aime pas beaucoup, mais ce sont obligatoires. Pendant mon temps libre, je porte des jeans et des blouses sportives. Anne. J'ai compris. Et quelle couleur préfères-tu? Marie. J'aime le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, les couleurs claires en général. Et toi? Anne. Je préfère les vêtements de couleur foncée. Noir, gris, vert foncé. Marie. Même si ces couleurs te font paraître plus âgée? Anne. Oui, parce que j'ai l'illusion que je suis plus mince. Marie. Et comme accessoires, lesquels préfères-tu? Anne. J'aime les métaux de toutes sortes, qu'ils soient précieux ou non, cela n'a aucune importance. Et toi? Marie. Je porte toujours la montre parce qu'elle est très importante pour moi. Mais je porte aussi les lunettes de soleil, le sac à main et les chaussures de qualité parce qu'à mon avis, ce type d'accessoires change totalement une tenue vestimentaire. Es-tu d'accord? Anne. Je suis absolument d'accord. J'aime les ceintures et les bretelles. Je trouve que ce sont tout à fait particulières pour n'importe quelle occasion. Anne. Salut Hélène, comment vas-tu? Hélène. Salut Anne, malheureusement j'ai mal. Anne. Que se passe-t-il avec toi? Hélène. Je suis enrhumée, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Anne. Je suis désolée.
il faut que tu ailles nécessairement chez le médecin. As-tu du mal à respirer? Hélène. Oui, j'ai l'impression que j'étouffe et j'ai le nez bouché. Je me sens faible et sans énergie. Anne. Tu as les lèvres sèches à cause de la fièvre. Voilà Marion. Mais qu'est-ce que tu as à la jambe? Pourquoi marches-tu en boitant? Marion. Salut les filles. Oh, j'ai une entorse de cheville. Ça me fait mal depuis 6 jours. Anne. Es-tu allée chez le médecin? Marion. Oui, il m'a prescrit un analgésique puissant et un onguant à usage local. Hélène. As-tu quelques signes d'amélioration? Marion. Oui, c'est un peu mieux qu'avant, mais la douleur est encore aiguë. Anne. Tu sembles fatiguée et déprimée. Marion. Oui, parce que je suis une personne très active et maintenant je dois garder le lit sans rien faire. Ce n'est pas facile. Anne. Je vous laisse, mes amis. Bonne santé à tous les deux. Le recruteur. Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Bonjour. Merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur. J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana. Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage. Le recruteur. Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé? Dana. Je suis titulaire d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de voyage. Le recruteur. Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence? Dana, j'y étais agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite à cause de la crise économique. Le recruteur. Quelles qualifications as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher? Dana. Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public, je parle 3 langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol.
J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur. Permets-moi de te parler un peu du poste pour lequel tu as envoyé ton CV et la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu? Dana, tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais acceptée? Le recruteur. Le programme commence à 9h du matin et finit à 16h30 de l'après-midi. Dana, et la rémunération? Le recruteur. Tu auras un salaire fixe de 1 200 € et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana, c'est très bien. Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur. Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien? Dana. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur. Bonne journée à toi. Merci. Marius. Bonjour, monsieur l'avocat Rousseau. L'avocat. Bonjour, Marius. Comment vas-tu? Je suis un peu en retard à cause des embouteillages. Marius. Ne vous inquiétez pas, ça va. L'avocat. Et ton associé? Marius. Georges. Oh oui, le voilà. Lui aussi est arrivé. Georges. Bonjour, monsieur l'avocat. Marius. L'avocat. Bonjour. Peut-on commencer? Marius. Bien sûr. Les deux parties contractuelles sont présentes. J'ai une entreprise de transport et je voudrais signer un contrat entre moi et Georges, c'est-à-dire lui louer deux de mes voitures pour le transport de matériaux de construction. Moi, je demande 30% du montant total. D'accord? Georges. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Passons au contrat. L'avocat. Alors, rédigeons le contrat. L'entreprise de transports internationaux, représentée par M. Marius Engel, en qualité d'administrateur unique, s'oblige à mettre à la disposition de M. Georges Anton de camions de 10 tonnes pour le transport de matériaux de construction. Les obligations contractuelles des parties. M. Engel, le propriétaire, a les obligations suivantes. Mettre à la disposition du client
M. Georges Anton, de camions en très bon état de marche. M. Georges Anton est obligé de maintenir les deux camions du propriétaire en bon état de marche et de présenter à la fin du mois toutes les factures et tous les reçus concernant le montant obtenu le mois précédent. M. Georges Anton est obligé de céder 30% du montant total et de déposer la somme sur le compte bancaire courant de M. Engel dans un intervalle de 5 jours au début du mois suivant. La durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois. Modalité de paiement. Le versement de 30% sera déposé sur un compte courant à la Banque Transylvanie en euros dans l'intervalle mentionné ci-dessus. Pour chaque jour de retard de paiement, on prévoit une pénalité de 1% du montant total dû. Maintenant, les deux parties doivent signer. Monsieur Engel, Monsieur Anton, s'il vous plaît. Marius. Ici, c'est bien, non, signé en 3 exemplaires. L'avocat. Oui, s'il vous plaît. Et maintenant, vous, Monsieur Anton. Marius. Je vous remercie, Monsieur l'avocat, de nous avoir accordé de votre temps. L'avocat. C'est mon devoir. Merci à vous. Bonne journée. Marius. Au revoir. L'agent. Bonjour, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Merci. Bonjour. L'agent. Puis-je vous aider? Dana. Je cherche un appartement de 2 pièces. L'agent. À acheter ou à louer? Dana. Je veux l'acheter pour moi et mon mari. L'agent. Quelle zone préféreriez-vous? Avez-vous une idée? Dana. Je voudrais qu'il soit près de la place Oniri, si vous en avez quelque chose. L'agent. Donc, vous recherchez une zone centrale. Dana. Oui, je veux habiter près de mes parents. L'agent. J'ai compris. Je cherche maintenant quelque chose pour vous. Désirez-vous un appartement dans un immeuble récent ou ancien? Dana. Pas très ancien et pas nécessairement récent. L'agent. Voilà, j'ai trouvé un situé à 5 minutes de la place Oniri dans un immeuble construit en 2000. Dana. C'est assez récent. Comment est-il équipé? L'agent. Il a une salle à manger et une chambre à coucher, une salle de bain, une cuisine, un balcon, un vestibule, c'est-à-dire une surface totale de 80 mètres carrés. Il coûte 100 000 € négociables. Dana.
Oui, parfaitement. Je voudrais le visiter. Dans l'appartement. Dana, il est vraiment beau et spacieux et la zone est justement ce que je cherchais depuis longtemps. L'agent. Et le prix est bon, à mon avis. Désirez-vous la quitter par l'intermédiaire de la banque ou en espèces? Dana, en espèces, c'est parfait. Mon mari sera enchanté. L'agent. Alors, je vous attends avec votre mari ce soir à 6h pour signer le contrat de vente-achat avec le propriétaire. Dana. Parfaitement. Merci beaucoup, madame. Vous êtes très gentille. L'agent. De rien. On se revoit à 6h. Dana. À plus tard. Je prends le petit déjeuner à 7h30 avec mes parents et je mange des céréales au lait, une omelette au jambon, du pain grillé à la confiture de cerises et des fruits. Je prends le déjeuner chez mes grands-parents. Aujourd'hui, on mange de la soupe de volaille, du ragoût de pommes de terre, du rôti de dinde et ton gâteau à l'ananas. Je reçois aussi un goûter en fin d'après-midi à 4h. Un sandwich et un verre de jus naturel. Le soir, je prends le dîner chez nous avec mon frère et ma sœur aînée. Ma sœur prépare de la soupe aux légumes, du riz aux champignons et de la salade des fruits.